Alors, nous sommes dans la Dittrenne Galerie. C'est le musée privé de la société Dittrenne. La société Dittrenne qui a cette année 216 ans. Voilà, elle est plus vieille que la Belgique. Et donc, cette galerie raconte l'histoire de la société à travers les voitures et les autres réalisations que la société a faites. Donc, lorsqu'on rentre là-bas, à l'entrée, on a des roues. Parce que les ancêtres d'Itrenne sont arrivés des Pays-Bas en tant que charrons. Donc ils faisaient des roues. Et puis ils se sont adaptés à la mobilité. Ils ont commencé à faire des petites calèches, des petits buggies. Et lorsque l'époque évoluait, ils ont commencé à faire des carrosseries. Donc ils étaient devenus des carrossiers. Mais étymologiquement, le nom de charron, carrosse, carrossier se justifie. Ils ont créé toute une série de magnifiques carrosseries sur des châssis de Bugatti, d'Hispano Suiza, toutes des grandes marques. Donc les gens venaient avec un châssis, donc un moteur et des roues, et dessinaient avec les dessinateurs de la carrosserie qu'ils voulaient sur leur voiture. Et puis, les choses ont évolué. La société a commencé à importer des voitures. Elle a importé des Studebaker des États-Unis qu'elle assemblait ici. Et donc, en fait, ici, il y a une petite centaine de voitures qui racontent toute l'histoire de la maison Dittrenne. Alors, depuis 10 ans, nous organisons des concerts classiques, baroques, de jazz et pour enfants dans ces magnifique espace.